Shalom Bracha. Que Kadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Ce matin, j'ai dû assister à ce qu'on appelle la providence divine. Vous savez que Rivka Imenu, était jeune lorsque il est Ezer, il est parti à Haran pour chercher une fille pour Yitzhak Avinu. Il a prié à Hachem pour qu'il rencontre le vrai Mazal. Il aurait pu aller chercher. Abraham Avinu ne lui a pas dit de prier. Il a dit, va chercher-moi une fille de ma famille pour Yitzhak, mon fils. Lui, c'est dur pour lui de chercher. Parce que qui peut marier Yitzhak? Il faut une fille l'équivalent de Yitzhak. Yitzhak, c'était pas n'importe qui. Yitzhak, c'était le sacrifice d'Hachem. Comme s'il a été sacrifié. Il était un homme saint, un homme pur. Il lui faut une fille spéciale. Une fille qu'elle soit croyante, une fille qui va construire le peuple d'Israël, une fille à l'image de Sarah Imenu. Chez Sarah Imenu, il y avait 3 miracles. Il y avait une veilleuse qui était allumée tout le temps et ne s'éteint jamais. Il y avait la bracha dans le pain qu'elle faisait. Elle prépare pour 10 personnes, il y a pour 1000 personnes. Il y avait la bracha. Et il y avait un nuée. Un nuée comme un phare. Un nuée qu'on le voyait de loin. C'est comme une grande. C'est comme une lumière qu'elle sort de sa tente. Elle va vers le ciel sous forme de nuée, nuage. Comme ça, tout le monde qui voit de loin la maison d'Abraham Avinu. Ceux qui ont faim, soif, ils savent, on suit, on va à la direction de... Et ce nuée-là, on pouvait le voir de tous les côtés. Nord, sud, est, ouest. Alors, il faut trouver une femme à l'image de Sarah Imenu. Et comment il va la trouver? C'était dur. Non, il a fallu qu'il prie. Hachem, je ne sais pas comment la trouver. Il faut que tu m'aides, Hachem. Abraham m'a dit d'aller, alors je suis obligé d'aller. Si Abraham m'a dit d'aller à Haran, c'est qu'elle se trouve à Haran. Et si je ne la trouve pas, c'est que je n'ai pas bien cherché, ou je n'ai pas prié. Et j'ai peur que je tombe sur une fille qui fait semblant qu'elle est religieuse, qui fait semblant qu'elle... Et elle cache son jeu. Et pour bâtir le peuple juif, il faut une vraie femme. Eshet Ha'il. Pas une femme comme ça. Et Hachem a écouté la prière de Eliezer. Et voilà une jeune fille qui arrive, avec une cruche dans ses mains. Et voilà, il lui demande, tu peux me donner à boire, et tu donnes à boire à mes chameaux. Sachez que les chameaux, chaque chameau, il boit 300 litres d'eau. Et il avait 10 chameaux, ça veut dire 3000 litres d'eau. Et Rivka qui était jeune, et la donner à boire à tout le monde. Mais pitié, il y a là-bas des hommes avec elle, qui aident. Personne ne l'a aidé. Personne ne l'a aidé. Toute seule. Là, elle a compris, cette fille-là, elle est au-delà de la nature. Cette fille, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est elle la fille pour Yitzhak. Il lui demande, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rivka. Est-ce que dans cette ville habite... la famille de Abraham Avinu? Eh ben oui, je suis la petite fille de Bitouel, qui était le fils
qui était l'oncle, qui était le frère de Abraham Avinu. Et mon frère, c'est Lavan. Waouh, super, je suis tombé sur ma fille à l'image de Sarah et Meno. Et comment on peut savoir que le Mazal était le vrai Mazal? C'est parce que lorsque Eliezer a fait la rencontre de toute la famille, ils ont commencé à discuter, et puis à la fin, ils demandent Rivka au mariage pour le fils de son patron. Ils n'ont pas dit non, ils ont dit prends-la. Mes amis, réfléchissez un peu. Ça existe une chose. Si quelqu'un vient chez vous, quelqu'un qui habite en Australie, il vous dit je veux votre fille pour le fils de mon patron qui habite en Australie, vous allez lui donner votre fille. Vous ne le connaissez même pas. Vous ne savez même pas si c'est vrai ou du faux. Et à Kachbohu, on dirait qu'il a aveuglé la famille de Rivka pour que Rivka, elle quitte cette maison pour aller se marier avec Yitzhak Avinu. Mes amis, je me suis posé une question. Est-ce à notre époque, on peut voir des miracles comme ça? La réponse, elle est oui. Je vous donne la parole d'honneur que oui. La réponse, elle est oui. Il y avait une fille qui habite quelque part, je ne peux pas dire le nom, et un garçon est venu toujours pour que je lui fasse la bracha pour qu'il se marie. Et il m'a dit, Rabbi David, je veux faire comme il est exactement il a rencontré Rivka. Je lui dis comment? Il m'a dit, je vais prier à Kadosh Baruch Hu très fort parce que je fais des rencontres que ça ne marche pas. Et il m'a décrit la fille qu'il veut. Je lui dis, mon fils, tu demandes trop. Il m'a dit, écoute, même Eliezer, il a trop demandé, il l'a trouvé. Même Eliezer, il a demandé beaucoup à Hachem, et Hachem, il a envoyé ce qu'il a demandé. Alors, je lui dis, alors, qu'est-ce que tu demandes? Il m'a dit, voilà, je vais partir à Marseille, je vais prendre un TGV à Marseille, je vais arriver à Marseille, et je vais aller à la synagogue, et le jour que je vais à la synagogue, un Shabbat, et celle avec qui je veux marier, elle va être à la synagogue. Et quelqu'un va me dire, est-ce que tu veux que je te fasse un chidour avec cette fille? Et je vais accepter. Mais je veux que cette fille-là, tout ce que je lui demande. Et mon fils, je ne sais pas quoi te dire, je te fais la bracha. Il est parti avec cette émouna. Il est parti à Marseille. Il a choisi la date. Il a choisi le Shabbat. Il a choisi la synagogue. Et il est parti à la synagogue le Shabbat. Et là-bas, il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait depuis avant. Marié, pas marié, quand tu n'es pas marié, j'ai une fille pour toi. Elle essaie exactement ce qu'il voulait d'elle. Ils ont fait les chidours, ils se sont mariés. Le mazal, priez bien, on trouvera le bien. Que je vous protège. حيم فين تو وقت لنا زي خون.